Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille. Bon, là, je vais vous dire la vérité, mesdames et messieurs, je suis jaloux. Oui, c'est bon, je vais arrêter de mentir. Je comprends pas ce qui se passe avec les gens musclés. Hein? Qu'est-ce que vous savez? Vous nous cachez quelque chose? Pourquoi vous vous entraînez comme ça, là? Il y a un truc qui arrive, et vous, vous vous entraînez, mais vous le dites pas à tout le monde. Je comprends pas. Parce que là, vos entraînements, c'est du grand n'importe quoi. Hein? Nous, on essaye d'être motivés pour se mettre au sport. Mais quand on voit vos vidéos, on a même plus envie de se mettre dans le sport. Regarde-moi mes bras là, hein? Quand je vois des gens, ils sont là, ils soulèvent leur corps de n'importe quelle manière. Comment tu veux que ça me motive? Moi, j'ai envie d'être musclé aussi, hein? Mais regarde-moi tous ces musclés. Ils soulèvent tout, ils soulèvent des frigos, ils soulèvent des tables et ils font ça par plaisir. Tu sais que nous, quand on fait ça là, c'est des déménagements et ça nous énerve, hein? Ça nous prend toute la journée pour soulever un canapé, soulever le frigo, soulever la télé, tout ça. Et vous, vous faites ça pour le sport. Donc vous faites du déménagement pour le sport. Regarde-moi ces deux Golgothes. Regarde-moi ces deux machines. Hein? Ils soulèvent leurs jambes, ils mettent ça devant eux. Je suis jaloux, oui. Ça, j'arrive pas à le faire. Parce que ça, si j'essaie de le faire, soit je me fais caca dans ma culotte, soit je commence à péter et tout le monde va me regarder dans la salle et puis ça va être du grand n'importe quoi. Ou bien je vais commencer à m'accrocher à la barre, mes bras ils vont trembler comme si j'ai une maladie. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, soyez soft avec les vidéos que vous mettiez en matière de sport. Parce que moi là, avec mes petits bras et mon petit bidon, et je peux rien faire. Regarde-moi, si, ma femme, quand elle voit les vidéos que je regarde, elle me dit, ah ouais, mais là, franchement, t'as du chemin à faire hein, pour arriver à faire ça. Ben oui, j'ai du chemin, hein? Ça va être trop long, là. Bon, là, moi, je tiens à vous dire que là, ça y est, c'est terminé. Moi aussi, je vais me mettre au sport parce que là, ils nous cachent quelque chose. Là, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais les mecs, ils sont en train de se préparer de manière colossale, hein? Moi aussi, je vais commencer à soulever des trucs de malade là. Vous allez voir bientôt, il y aura une vidéo de moi aussi qui soulève des trucs. Voilà, parce que moi aussi, j'en ai marre de voir tous ces gens se muscler. Et après, quand il y a des catastrophes, il n'y a qu'eux qui vont survivre. Ben oui, soyez musclés. Tout le monde doit se muscler. Faisons du sport. Mettons-nous tous au sport. Prenons soin de notre corps. Il faut que nous aussi, on puisse tout soulever. Parce que là, je comprends pas. Non, franchement, au bout d'un moment, c'était ridicule. Mais là, il y a tout le monde qui commence à le faire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et eux ils sont au courant. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut faire du sport. Si ça se trouve, l'air va devenir plus lourd et j'en sais rien. Peut-être que la gravité, le taux de gravité va augmenter et ça va être comme dans la salle du temps de là où Sangoku il s'entraîne là. Tu vois? Même il dit, oh, j'ai du mal à marcher. Tu vois? Si ça se trouve, si t'es pas musclé, tu pourras plus vivre dans notre société. Tu te rends compte? Et eux, ils sont en train de se préparer. Donc musclez-vous parce que si ça se trouve, il y aura des changements climatiques qui feront que nous là. Si on n'est pas musclé, on ne pourra plus avancer dans la vie. Voilà, donc sois musclé, porte tout ce que tu veux dans la vie, pense comme ça, tu vas voir. Attendez, vous allez voir dans quelques mois, vous allez dire, oh ouais, mais faut dire, oh là là, il est costaud là! Il est drôle et il est costaud! Je suis costaud, je vais faire mes vidéos comme ça. C'est moi.